Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à vous pour la dernière journée de l'été celtique, un festival virtuel qui a été co-organisé par le Musée des Celtes de Libramont, la revue Nouvelle Mythologie Comparée, la Société Belge d'Études Celtiques et les éditions Terre de Promesses et leur innommable page du Chaudron du Dagda. Alors, ce festival virtuel vous a proposé un cycle de 4 visioconférences menées par des chercheurs d'horizons disciplinaires divers, à savoir l'archéologie, l'ethnologie, l'histoire, l'histoire des religions et la mythologie comparée. Alors avant de démarrer, je voudrais remercier les 4 partenaires qui ont accepté de parrainer cette visioconférence ce soir et qui ont tous à cœur la promotion et la diffusion des connaissances sur les anciennes sociétés celtiques. Alors je citerai dans l'ordre alphabétique le média Agence Bretagne Presse, le Centre de l'imaginaire arthurien, le magazine Celtia et la marque de vêtements North Wanderers. Et enfin, je tiens à exprimer ma gratitude infinie envers toutes les personnes qui ont permis la réalisation de cette vidéo et dont les noms vont s'afficher sur votre écran à votre gauche. J'ai pour champ d'étude les religions celtiques et leur mythologie. Et je fais partie d'un courant de chercheurs qui envisage que les différents peuples celtophones qui se sont éparpillés au cours des âges du fer en Europe occidentale et centrale, ainsi qu'en Anatolie, aient pu partager, en plus d'un patrimoine commun de mots et de culture, un socle religieux appartenant à leur passé commun. Un socle qui composait la colonne vertébrale de leur système religieux polythéistes respectifs, fondé lui-même sur un héritage théologique encore plus ancien, appartenant à la famille linguistique indo-européenne. Alors ce socle commun comprenait des croyances, des institutions, mais aussi des dieux et des mythes. Les mythes, ce sont des récits symboliques, religieux, qui servaient dans les sociétés traditionnelles polythéistes à expliquer par le biais d'aventures dramatiques vécues par les divinités, l'histoire et l'organisation du monde, du paysage, de la société humaine et de ses institutions, et qui permettait d'éclairer les compétences spécifiques des divinités et le rôle distinctif tenu par chacune d'elles dans la création. Ce socle a bien évidemment été susceptible d'évoluer et de s'enrichir au cours de l'histoire de chaque population. Bien que nos connaissances des anciennes religions des peuples celtes soient largement fragmentaires, la confrontation des données sauvegardées dans les celtiques insulaires et dans les celtiques continentales permet d'établir un certain nombre de faits à l'appui de cette thèse. Tout d'abord, les langues celtiques irlandaises et gallo-britonniques disposent du même nom générique archaïque pour nommer la divinité. Ce mot appartient à un héritage linguistique et conceptuel indo-européen et désigne étymologiquement l'être divin par son aspect brillant et lumineux qui en est venu par extension à caractériser sa nature céleste. Ces mêmes langues, irlandaises et gallo-britonniques, ont en commun des mots pour désigner les principaux types de prêtres, que ce soit les druides, mais aussi les bardes et les vates, ce qui laisse présager du caractère vieux celtique de ces appellations et d'une certaine unité dans l'organisation du personnel sacerdotal qui avait la main mise sur les affaires religieuses dans ces sociétés irlandaises, gauloises et britonniques. Nous savons également que les parlers celtiques insulaires utilisaient le même verbe remontant à un composé verbal indo-européen pour exprimer l'action de croire, une notion fondatrice dans le rapport ritualisé de l'homme envers les dieux, et nous savons qu'il y avait, dans les idiomes insulaires, la même terminologie pour désigner l'offrande sacrificielle. Il y a donc existé des paroles communes d'importance dans les anciens lexiques religieux celtiques. On enregistre également la présence de croyances partagées dans les cultures gaéliques, gauloises et galloises. Par exemple, la croyance dans le ciel qui s'effondre,
la sacralité reconnue aux têtes coupées, ou encore la conception de l'au-delà post-mortem comme un miroir magnifié de notre monde. Autre point commun, d'ordre calendaire cette fois, le nom d'une fête majeure du festiaire irlandais, Samhain, qui était la célébration de la saison d'hiver et du Nouvel An, connaît un équivalent en Gaule avec la fête de Samhainos que l'on trouve gravée sur le calendrier de Coligny. Au rayon du calendrier toujours, les Irlandais et les Gaulois recouraient aussi à une même terminologie, empreinte d'une religiosité certaine, pour désigner les périodes temporelles propices. À propos de la mythologie, le stoïcien Lucius Annaeus Cornutus, dans son traité sur la nature des dieux, qui a été écrit en grec au temps de Néron, fait allusion à une mythologie celtique, ici probablement il entend une mythologie gauloise, qu'il estime au même niveau que celle des Grecs, des Égyptiens et des Perses. Des motifs mythologiques communs aux cultures gaéliques, galloises et gauloises ont également été pointés. Que l'on pense par exemple au motif de l'armée détruite par une pluie de pierres ou à celui de la forêt d'arbres combattants. Pour ce qui concerne les dieux, tous les auteurs classiques concordent à reconnaître l'existence de grandes divinités communes aux différents peuples gaulois. Qu'on se rappelle par exemple le témoignage de Jules César dans la guerre des Gaules, au dernier feu de l'indépendance des Gaulois. Celui-ci, peut-être dépendant de l'historien et de l'ethnographe Posidonios d'Apamée, qui écrivait quelques décennies plus tôt, mentionne dans son excursus ethnographique sur les Gaulois une liste de six grandes divinités pangauloises qu'il affuble de noms de dieux romains jugés équivalents. Il y a également le témoignage de Lucain, en 62 après Jésus-Christ, qui cite dans le premier livre de sa Pharsale une triade de grands dieux gaulois composée de Taranis, d'Hésus et de Toutatès, et à ses yeux, les cultes sanglants de ces trois divinités étaient communs à toutes les ethnies gauloises et étaient encore vivaces au temps des guerres civiles. Le constat de la diffusion de certains cultes indigènes dans toute la Gaule sous l'Empire romain paraît aller dans le même sens que ces témoignages classiques. On citera par exemple la diffusion du culte d'Épona, la diffusion du culte d'Émâtre, la diffusion du culte du dieu jupitérien Larou ou encore la diffusion du culte de Soukélos sur laquelle nous reviendrons. On connaît également au moins deux noms de divinités panceltiques adorées à la fois des peuples gaulois, britonniques et irlandais. Je veux parler de Lugus et de Nodens. Concernant le premier, Lugus, nous avons la chance d'avoir conservé d'importants morceaux de ces cycles mythologiques irlandais et gallois, et il ressort que des deux côtés de la mer d'Irlande, le dieu disposait d'une même personnalité fonctionnelle, d'un même attribut et d'une même physionomie, mais aussi de mythes communs, notamment ceux se rapportant à l'acquisition de son attribut, une lance empoisonnée et radiante, et à ses premiers exploits d'enfance. Il n'est cependant pas toujours possible d'effectuer des recoupements entre les théonymes que nous ont légués pourtant en grand nombre, d'une part les sociétés celtiques insulaires, dans leur littérature mythologique et épique médiévale, et d'autre part les peuples gaulois à travers l'épigraphie, l'onomastique et la toponymie. Cela n'est pas nécessairement rédhibitoire à l'existence d'un large nombre de divinités communes aux différents panthéons celtiques. En effet, le recours à divers théonymes pour nommer une divinité, en fonction de certaines de ses attributions ou aventures emblématiques, est un fait courant des religions polythéistes des anciennes sociétés indo-européennes. Côté celte, pour s'en persuader, nous prendrons un exemple simple, celui de l'Apollon gaulois, qui porte à l'époque impériale quantité d'épiclèses ou de théonymes indigènes. On le connaît sous le nom de Maponos, ou encore sous celui de Granos, de Bélénos, de Borvos,
mais il est pourtant toujours investi du même rôle de dieu patronant, le culte des eaux guérisseuses. Une homologie fonctionnelle se dégage donc de tous ces Apollons, et il n'y a pas lieu de chercher l'assimilation par l'Apollon romain d'un nombre incalculable de petites divinités locales. Un autre exemple éclairant, les Irlandais disposaient d'un dieu défini par sa profession de médecin, Dinkert, et il en va de même dans les Gaules avec l'Apollon Gallicus, qui est défini pour être le dieu guérisseur des maladies, d'après le témoignage de Jules César. Homologie fonctionnelle, frappante encore, l'existence d'un dieu forgeron en Irlande, portant le nom de sa profession, Govnew, que l'on retrouve également au Pays de Galles, où il dispose d'un nom apparenté, Govanon, mais également qui existe en Gaule, sous le nom d'Ouquetis, l'aiguiseur, où il est adoré par les forgerons mandubiens, et c'est sans doute ce même dieu que l'on retrouve sous l'interprétatio romana de Vulcanus. Homologie encore entre le dieu Ogmios et l'Irlandais Ogma, dont les linguistes butent à faire remonter les noms à un même étymone, mais qui ont la particularité tous deux d'être des dieux définis comme des champions guerriers et des maîtres de la magie oratoire. Outre la détermination d'homologie fonctionnelle pertinente lorsque la base comparative textuelle le permet, une autre porte d'entrée pour faire des recoupements structurels pertinents entre des divinités celtiques investies de noms différents est celle des attributs. Dans les anciennes religions des sociétés indo-européennes, les attributs sont des objets investis d'un pouvoir merveilleux dont sont propriétaires les divinités. Ces objets, en tant qu'éléments identifiant des dieux et les instruments privilégiés de leurs actions, sont pourvus d'un véritable signifié théologique censé évoquer le caractère ou l'office de la figure divine et offrir une manifestation de son essence. Et il se trouve que dans les textes mythologiques des sociétés celtiques insulaires, de même que dans la statuaire gallo-romaine des divinités gauloises, les dieux sont souvent investis de semblables accessoires. Nous allons donc nous adonner ici à un essai de comparatisme irlando-gaulois sur le thème des attributs, en espérant vous convaincre de la pertinence de cette approche. Alors, côté irlandais, notre attention va se porter sur l'attribut d'un dieu majeur du panthéon gaélique. Je veux parler de Iochead O'Lather, plus connu sous son surnom de Andagda, c'est-à-dire le bon dieu. Alors commençons par dire deux mots sur ce dieu et à le situer à l'intérieur de la société divine irlandaise. Et pour ce faire, il n'est de meilleur allié que le récit mythologique de la bataille de la plaine de Toured, seconde du nom, qui nous est connue par une unique copie du XVIe siècle. Alors ce conte mythologique est dû à un rédacteur moyen irlandais du XIe ou du XIIe siècle, mais ce dernier rafraîchissait un conte antérieur en vieil irlandais que l'on estime remonter au IXe siècle. Alors ce texte narre la bataille que se livrèrent les dieux Tuath et Danann et les démons Fomoré pour la possession de l'Irlande, dans un lointain passé, une préhistoire mythique, et il délivre un inestimable tableau de la société divine, en précisant la place fonctionnelle distinctive occupée par chaque dieu. Alors on ne soupçonnera pas un poète irlandais du IXe siècle, et a fortiori un moine, d'avoir réussi à partir de sa seule imagination à restituer l'intégralité d'un ancien panthéon païen, surtout que l'organisation du dit panthéon se trouve clairement associée à plusieurs reprises à un antique schéma trifonctionnel indo-européen. Alors à l'intérieur de ce cadre, le Dagda est reconnu d'une part pour être un dieu de première génération divine, et ensuite, parmi les dieux qui sont définis comme étant les Aes Dana, les gendarmes, il est une des rares divinités mâles, avec le dieu Lug, à être pourvu d'une compétence polytechnicienne, là où les autres dieux s'affirment comme étant monocompétents. Et c'est la glorification de ce polytechnisme, l'affirmation de ce polytechnisme dans un épisode
qui vaut au dieu d'obtenir son surnom de Dagda. Alors nous avons un autre texte moyen-irlandais exploitant une même tradition sur la société des Toits des Danann et qui offre un tableau similaire. Alors ce texte, il s'agit de la première bataille de la plaine de Toured, et il nous est précisé dans ce texte, c'est un récit moyen-irlandais, et il nous est précisé dans ce texte que le Dagda était considéré comme le Dia Draiderta, c'est-à-dire le dieu du druidisme des Toits des Danann. Un titre qui en fait une sorte de dieu prêtre et qui est également repris par d'autres sources et qui s'accorde assez bien avec le grand savoir dont est par ailleurs crédité ce dieu, savoir qui explique le polytechnisme dont il est investi. Alors, diverses productions littéraires qui s'étalent du 9e au 15e siècle et qui couchent des traditions orales dont il conviendra de discuter de l'ancienneté, mais aussi de la qualité de la matière, met invariablement en scène le dieu Dagda investi d'un attribut, ce en temps de paix comme en temps de guerre, et donc cet instrument semble avoir été emblématique de cette divinité. Et le récit de la seconde bataille de la plaine de Toured, dont nous venons de parler et qui remonte au 9e siècle, mentionne un toponyme célèbre se rapportant à cet objet, ce qui atteste d'une certaine ancienneté du motif. Alors cet attribut est désigné dans les textes invariablement sous le nom féminin de l'Orok, qui désigne à proprement parler un bâton. Les récits mettent en exergue sa grande taille, sa taille phénoménale, à l'image du dieu qui la manipule, parlant de l'Orok mort, le grand bâton, et il nous est dit qu'il ne faut pas moins de 8 personnes pour soulever ce bâton. Les textes concordent aussi à prêter à ce bâton une extrémité fourchue, soit en précisant que le bâton a deux têtes, soit en substituant comme appellation à l'oroc le terme de kavol, qui veut dire la fourche. Alors cet objet, cette kavol l'oroc, est reconnu disposer d'un double pouvoir merveilleux, résidant précisément dans son extrémité sommitale bifide. Ce bâton a en effet pour principale propriété de pouvoir donner la mort aux vivants par une de ses têtes et de pouvoir ressusciter les morts par son autre tête. Alors c'est là l'unique pouvoir qui est connu de ce bâton et qui nous est consigné dans deux textes indépendants qui recourent pour en parler à une même formule traditionnelle, sans doute bien établie. Alors les deux sources semblent plutôt fiables. La première est un récit épique du cycle de l'Ulster, qui s'intitule « L'ivresse des Ulates » et dont la traduction manuscrite débute au XIIe siècle, mais dont un premier état en vieil irlandais du récit est acté. Alors, le Dagda ne fait ici qu'une courte apparition parmi la troupe des guerriers Ulates qui se rendent de nuit éméchés chez la reine Mève, et l'information délivrée sur la fourche est intégrée à un court portrait physique du Dagda qui se veut conventionnel, puisque la seule description des différents éléments qui nous est donnée ici est censée suffire à reconnaître immédiatement le dieu, et c'est ce qui advient. Le second récit est un court texte anonyme en moyen irlandais tardif qui nous est retranscrit par une unique copie de la fin du XIVe siècle, qui est lui consacré à une aventure mythologique du Dagda et qui a pour thème précisément l'acquisition par le dieu de ce fameux attribut. Et ce récit débute par l'énumération des trois principaux théonymes du dieu Dagda, et ensuite fait appel à différents éléments connus de la mythologie de ce dieu qui nous sont recoupés par d'autres sources, que ce soit son aspect vestimentaire ou bien l'épisode du meurtre de son fils Kermat par le dieu Lug. Il y a deux enseignements qui peuvent être retirés de ce pouvoir génésique bipolaire dont est créditée la Rorok du Dagda. Elle lui confère autorité sur les deux pôles antagonistes de la fécondité, c'est-à-dire la fertilité et la stérilité, et plus largement sur le créé et l'incréé, mais elle consacre aussi cette branche comme étant un instrument de médiation entre les mondes, celui des vivants et l'au-delà. Et c'est là un attribut qui semble convenir parfaitement à un dieu
sacerdotal. En dehors de la description théorique du pouvoir de la tribu du Dagda, on recense dans les textes trois types récurrents d'usages faits par le dieu de cet objet qui s'avèrent mettre en œuvre ses propriétés génésiques et de médiation des mondes. Tout d'abord, il nous est fait part des applications pratiques et concrètes du pouvoir de mort et de résurrection de cette Kavol Lorok. C'est le cas dans les deux récits qui signalent la propriété merveilleuse de l'objet. Tout d'abord, dans le conte exposant l'acquisition du bâton par le Dagda, il est raconté que le dieu, parcourant le monde avec le cadavre de son fils sur les épaules, emprunte le bâton à une triade de frères qui en sont les propriétaires. Il les tue tous les trois d'un seul coup, puis ressuscite son enfant, et enfin redonne la vie aux anciens propriétaires en échange du don de l'objet. Dans l'ivresse des Ulates, à l'occasion de la description de l'épiphanie du Dagda, il est raconté que le dieu tue et ressuscite avec le bâton en permanence la troupe des 9 guerriers qui l'accompagnent. On notera au passage que ce motif théophanique de dieu en déplacement, entouré d'une suite lui permettant de manifester son essence fonctionnelle, se retrouve également en Gaule, sur une peinture d'un temple de la Celtique méridionale que nous a décrit Lucien de Samosate. Alors le rhéteur nous dit que sur cette peinture, il était montré le dieu Ognos héracléen entraînant à sa suite des guerriers par des chaînes d'or et d'ambre accrochées depuis sa langue à leurs oreilles. Et une même variante du motif se retrouve sur la version moderne de la seconde bataille de la plaine de Tourède, qui nous a été rapportée par David Dwignan au milieu du XVIIe siècle. Et c'est cette fois-ci le dieu Loug qui est mis en scène, et il est montré tirant dans la plaine des piliers auxquels il avait été enchaîné, ce qui occasionne autour de lui un nuage grondant de poussière, d'étincelles et de pierre. Alors dans les deux exemples que nous venons de voir, la fourche fait figure de baguette magique. Mais dans d'autres textes présentant la tribu en contexte de combat, comme ceux des deux batailles de Mactored, le bâton sert pour donner uniquement la mort et est employé comme une arme avec laquelle le Dagda réalise des massacres et se montre un redoutable briseur de crâne et d'os dans la mêlée. Le second usage pratique de la fourche du Dagda fait de cet attribut un outil pour des travaux d'arpentage et de fossoyage. La plus ancienne mention de ce cas de figure est conservée dans le conte moyen irlandais de la seconde bataille de Tourède, dont vous êtes désormais familier, dans un récit donc à proprement parler mythologique, mettant en scène les anciens dieux. La mention se trouve incluse dans un épisode assez long, dont le principal protagoniste est notre Dagda. Pour le résumer, disons qu'avant le début de l'affrontement entre dieu Touad et Danann et démon Fomoré, le Dagda est chargé d'une ambassade, un soir de Samhain, et doit se rendre dans le camp ennemi, installé dans la plaine de Skedna, qui se trouve à quelques kilomètres au nord de Sligo, dans le Connaught. Le roi Iñek, qui l'accueille, fait préparer à son attention dans son chaudron royal un festin colossal de viande bouillie, de taille à nourrir une assemblée entière, et menace son invité de mort s'il ne mange pas tout le contenu du chaudron, afin qu'il ne puisse se plaindre de n'avoir pas été nourri à suffisance par le roi, comme le veut la coutume à cette date. Iñek croyait triompher de l'appétit gigantesque, gargantuesque du Dagda, mais celui-ci finit son plat et repart dans la nuit en titubant avec un ventre gigantesque et en laissant traîner derrière lui son bâton. Cet attribut réalise à cette occasion une tranchée gigantesque dans le paysage qui va depuis le campement jusqu'à la grève des bas où se rend le dieu. La taille de cette tranchée est comparée à celle d'un clod,
c'est-à-dire d'un fossé, et pas n'importe quel fossé, celui d'une frontière de province. Et cette marque est déclarée à l'origine d'un toponyme fameux, Schlirt Lorca an Dagde, c'est-à-dire la trace du bâton du Dagda. Alors cet épisode repose sur un réseau d'éléments signifiants et orthodoxes de la mythologie du Dagda. Il s'y joue une épreuve qualifiante d'hospitalité alimentaire royale à la nuit de Samhain, dont le Dagda s'affirme le juge parfait, puisqu'il est lui-même le patron divin des banquets royaux, en tant que propriétaire d'un chaudron d'abondance fameux qu'il met au service du roi des dieux pour lui permettre de remplir sans échec ses obligations nourricières envers son peuple à ce moment de l'année. Il y est fait référence aussi à son appétit proverbial que seul son chaudron semble en mesure de rassasier. Il est fait cas également de sa tenue vestimentaire conventionnelle, de deux autres de ses attributs merveilleux, une hache et une louche. Il est fait cas également de son alimentation exclusivement porcine, qui est relayée par un autre épisode du même conte. Il est fait cas également de deux de ses ébats amoureux aux incidences toponymiques, dont on a d'autres échos pour un de ses ébats, celui avec la Morrigan, et l'épisode offre en sus une liste aussi pléthorique que cryptique de ses théonymes. Liste qui offre une bonne illustration du plurithéonymisme des divinités celtiques que nous avions évoqué au début de cette visioconférence. La référence formulée au bâton créateur de fossés, dans ce cadre authentiquement dagdaïen, est donc digne d'intérêt et doublement si on considère qu'elle est associée à un toponyme déjà ancien au IXe siècle. L'image d'un fossé de frontière n'est pas anodine. Rien ne l'est jamais dans un mythe où tous les détails sont signifiants. Et en effet, la capacité du bâton du Dagda à tracer des tranchées de délimitation est bien relayée dans deux autres aventures de ce dieu. On la trouve mise en avant dans un autre épisode de ce même conte, où durant le règne tyrannique du mauvais roi Brech, où les Touas des Danann sont réduits à des tâches serviles humiliantes, la compétence résiduelle du dieu druide Dagda, à l'extrémité inférieure de sa sphère fonctionnelle, consiste à être un rebouiqué, c'est-à-dire un bâtisseur de forteresses, et il en reçoit alors un repas et un salaire journalier. Cette activité de construction se résume au creusement de l'enceinte de la forteresse royale de Brèche. Rocro ra en Brèche, il creusa le fort de Brèche, est-il déclaré à ce sujet, et lorsque son fils, le Mac-Hoc, vient le visiter sur le chantier, c'est dans la fosse, le Clod, où il s'affaire qu'a lieu la rencontre. Cette tâche de faiseur de tranchées, de terrassier, pourrait sembler bien misérable, mais elle était, aux yeux des anciens Celtes, la plus essentielle dans la fondation d'une forteresse, comme nous le trouvons exprimé dans les antiques définitions gaéliques et brittoniques des places fortes, qui retiennent la composante du fossé comme prévalente. Creuser le fossé d'une forteresse, c'était en délimiter le périmètre, tâche assurément rituelle chez les Celtes, comme elle l'était à Rome et dans les colonies romaines, où l'acte de fondation consistait à creuser le pourtour double de la cité, comprenant le sillon primordial, le sulcus primigenius, délimitant la muraille de l'ourbs, et le tracé sacré indissociable du pomerium légèrement en retrait. Ce type d'action, à valeur de délimitation et de consécration d'un territoire, devait relever de la compétence de la fonction sacerdotale et on comprend mieux l'intéressement du dieu du druidisme à cette affaire. Quant à l'usage du bâton du Dagda, il se comprend aisément par son pouvoir de médiation entre les mondes. La spécialisation d'arpenteur et de terrassier du Dagda est une autre fois mise en exergue dans un passage de la veillée de Fingen. Un récit qui nous est parvenu par quatre copies des 15e et 16e siècles, mais dont la rédaction n'est pas postérieure au 10e siècle. La veillée a pour thème la révélation prophétique par une banshee de 50 merveilles qui s'accomplissent contemporainement dans toute l'Irlande en une nuit de Samhain,
pour célébrer la naissance de Conn au sang bataille, un roi historique ou pseudo-historique du milieu du deuxième siècle, qui est appelé à devenir le plus grand roi d'Irlande d'avant la foi chrétienne. Ces prodiges font tous référence à des traditions fameuses. Et un de ceux-ci est l'achèvement de la construction de la mythique forteresse royale du Leinster, Dún Áilíní, grâce à l'intervention du Dagda, qui met fin à un sortilège faisant s'écrouler chaque nuit les travaux d'édification de la muraille réalisés durant la journée. Ce, en délivrant trois sources souterraines de l'autre monde qui gênaient la construction des fondations. Alors la formulation n'est pas des plus limpides, car le texte est très synthétique, mais heureusement le même motif se retrouve dans la littérature galloise médiévale, où il a été préservé dans l'Historia Brittonum du Pseudonennius, qui confirme que l'opération pour mettre à jour ces sources est une action de fossoyage. Enfin, troisième et dernier usage pratique de la fourche du Dagda, les textes font part de son pouvoir sur les cours d'eau. Alors, nous venons de mentionner l'action hydrogonique d'importance que la veillée de Fingen prête au Dagda. La nuit de Samhain, où naquit Conn au sang en bataille, le dieu a donné naissance, en raclant la fosse de l'enceinte de Dún Áilíní, à trois des principales rivières d'Irlande, à savoir la rivière Barrow du comté de Leash et les rivières Suir et Norray qui coulent dans le comté de Tipperary. Leur groupe fait sens puisque, comme la notice l'indique, ces trois rivières se jettent dans le même estuaire qui se trouve dans le comté de Waterford, ce qui leur vaut d'être surnommés les trois sœurs. Le texte établit une claire relation entre cette action de création de cours d'eau et l'usage du maillet de creuser le sol pour bâtir une forteresse. Ce pouvoir hydrogonique prêté au Dagda est ancien, puisqu'on en trouve une allusion dans un texte en vieil irlandais du 8e siècle, la première version de la courtise des Danes. Il y est prêté au Dagda la création en même temps des 12 cours d'eau de la province du Connaught, qui jusqu'à son intervention étaient restés cachés dans l'au-delà. Mais le Dagda ne se contente pas de faire jaillir des cours d'eau de l'autre monde avec son bâton, il peut aussi, avec cet instrument, faire disparaître des eaux de la réalité. La troisième version du Dinn Chinreas Éireann, un recueil moyen-irlandais compilant des notices en prose ou des poèmes expliquant des toponymes par les mythes et les légendes s'y rattachant, fait état d'une version de la création de la plaine de Mourtevna, où le Dagda est déclaré intervenu avec sa fourche en des temps immédiatement post-diluvien pour faire disparaître l'enchantement d'une mer druidique qui abritait un calamar géant qui aspirait les guerriers qui tentaient de traverser cette mer. Notons ici le symétrique entre cette scène et celle de la veillée de Fingen. Ici, la fourche dagdaïenne fait passer une mer tout entière du monde terrestre à l'incréé, tandis que dans l'autre récit, elle fait transiter des cours d'eau de l'au-delà à la réalité. Ces actions antagonistes qui font du bâton le régulateur des eaux, manifestent encore une fois une application du pouvoir génésique bipolaire de l'objet et de sa capacité de faire transiter d'un monde à l'autre les êtres humains, les choses, mais aussi les éléments. Il ne saurait être question, bien sûr, d'offrir un blanc-seing d'authenticité à ce motif merveilleux associé au Dagda. Celui-ci demande à être mesuré, évalué, tant faire se peut à partir des connaissances limitées à disposition, ce comme toute autre donnée rapportée dans les traditions mythologiques irlandaises qui, rappelons-le, nous ont été transmises tardivement et christianisées. Celles-ci ont donc pu être soumises à des altérations de sens, des déformations, voire des réadaptations ou des ajouts fantaisistes,
de la part de lettrés chrétiens qui étaient alors inaptes à pouvoir apprécier le plein fonctionnement symbolique des anciennes conceptions païennes qui organisaient les mythes. En faveur de la validité des données recueillies sur le bâton du Dagda, nous avons déjà pu dégager leur insertion dans des contextes dagdaïens dont la validité des éléments est recoupée par d'autres sources. On peut faire valoir aussi la récurrence des différents thèmes se rapportant à ce bâton. L'unité de ces thèmes, leur interconnexion aussi, mais également leur ancienneté qui plaide plutôt en faveur d'une tradition bien établie. Le fait déterminant pour admettre qu'il s'agit bien d'un authentique motif mythologique propre au Dagda reste la concordance de la codification du bâton avec celle proposée des autres attributs prêtés à ce dieu dans les différents fragments conservés de sa mythologie. Cette unité structurale montre que tous ces éléments participent d'un même système de représentation propre au Dagda appartenant à l'ancienne théologie du dieu. Nous n'aurons pas le temps de passer en revue tous les accessoires du dieu qui participent de ce même tonneau conceptuel, et nous évoquerons seulement son chaudron d'abondance qui est son attribut le plus fameux. Le portrait de ce chaudron nous est connu par une brève notice inclue en ouverture de la seconde bataille de la plaine de Tourède, où sont évoqués les quatre trésors merveilleux des dieux Touad des Danann, dont le chaudron fait partie. Des trésors qui sont donnés à l'origine de la conquête par les dieux de l'Irlande et de la structuration de leur société. Les éléments délivrés sont heureusement recoupés par les portraits identiques d'autres chaudrons d'abondance présents dans la littérature épique et les légendes toponymiques d'Irlande, qui s'avèrent tous reprendre le modèle mythologique du chaudron divin et en proposer des avatars fidèles. Le chaudron du Dagda est considéré comme le proto-chaudron d'Irlande, mais aussi comme un des proto-talismans de la souveraineté irlandaise et une marmite hyperbolique capable de remplir au mieux son office alimentaire. Alors c'est ce chaudron qui distribue aux dieux leur festin d'immortalité, thème bien connu des mythologies indo-européennes, mais les Irlandais, ayant installé les dieux non dans le ciel mais dans le microcosme humain d'Irlande, et ayant fait de la société divine le miroir de la société humaine, montre le chaudron du Dagda mis au service du roi des dieux et souverain d'Irlande pour lui permettre de remplir au mieux une institution majeure de l'ancienne Irlande. Le roi avait en effet obligation d'organiser des banquets royaux publics à l'occasion des quatre principales fêtes du calendrier païen, où il était alors exigé que la nourriture ne manquât à aucun des invités. Alors il est dit que le chaudron avait le pouvoir de donner satisfaction à toute compagnie se présentant à lui, en servant la part juste qu'il convenait à chacun d'honneur alimentaire en fonction de son statut et de son rang social. Le chaudron apparaît donc investi d'un pouvoir génésique extraordinaire, lui permettant de générer à l'infini l'entière gamme des viandes bouillies, capable de combler tous les membres de la communauté divine. La possession d'un tel chaudron par le Dagda s'explique par la qualité de ce dernier de dieu druide. En effet, il s'agit d'un vase rituel sacré utilisé pour des banquets religieux aux principales dates du festir païen. Et donc il est normal qu'un druide en ait la charge. D'autre part, le chaudron est doté d'une omniscience sociétale lui permettant d'exécuter instantanément la répartition des parts alimentaires justes qui reviennent aux invités selon leur rang social. Il s'agit là d'un type de savoir propre au druide et lui permettant d'exercer son rôle de conseiller auprès du roi pour garantir l'équilibre de la société. Le chaudron, en manifestant une telle omniscience sociétale, montre qu'il participe de l'essence fonctionnelle du Dagda, dont nous avons vu qu'une des caractéristiques majeures était la compétence en tous les arts exercée individuellement par les autres dieux Touad des Danann. Dans la notice des talismans des Touad des Danann, ce pouvoir génésique du chaudron du Dagda se trouve relié de façon indissociable à l'élément aquatique
d'après le nom de son île de provenance, appelée Mourias, c'est-à-dire la marine. Les noms des autres îles mentionnées, faisant écho à des traits connus des attributs divins qu'elles accueillent, cette relation du chaudron à l'élément aquatique devait faire sens elle aussi. Il y a bien sûr le fait évident que c'est de ces eaux bouillonnantes que sortent les parts de nourriture, mais aussi et surtout parce que dans l'ancien imaginaire irlandais, dont la mémoire a été conservée dans la toponymie alto-médiévale irlandaise, les tourbillons marins permanents que nous connaissons sous le nom germanique de Maelstrom étaient identifiés à des chaudrons d'abondance et chacun d'eux était perçu comme une sorte d'omphalos marin, le lieu de rencontre de courants marins antagonistes et de leurs eaux tourbillonnantes identifiées aux forces cosmiques du créé et du non créé, étaient censés sortir et retourner toutes les richesses matérielles terrestres d'Irlande. On le voit, ce schéma du chaudron d'abondance, perçu comme le réservoir des eaux matricielles cosmiques, porteuses de la potentialité de l'être et du non-être, et par là comme un objet de médiation entre les mondes, offre bien une correspondance structurale avec la fourche. Chaudron et bâton du Dagda font appel au même réseau symbolique et participent d'un même système de représentation. Cette concordance structurale et symbolique témoigne que les schémas recueillis du bâton et du chaudron du Dagda remontent en droite ligne à une tradition théologique pleinement orthodoxe sur ce dieu. Les chercheurs s'accordent habituellement à identifier le bâton fourchu du Dagda à une sorte de massue héracléenne, telle celle employée par le géant de Kernabas sur un géoglyphe ornant une colline du Dorset dans l'Angleterre méridionale. Cependant, le recoupement de cet attribut avec un gourdin est à repenser. Le fait tout d'abord que cet attribut soit décrit être en fer implique son façonnage par un forgeron et exclut qu'il s'agisse d'une simple branche végétale. Ensuite, la présence de deux têtes, c'est-à-dire de deux proéminences sommitales, ne permet de visualiser ni un gourdin, ni même une fourche dentée. Enfin, le récit racontant la genèse de son acquisition par le Dagda intègre la Lorok à un groupe de trois objets merveilleux porteurs de propriétés génésiques équivalentes, les deux autres étant deux vêtements conventionnels du dieu, un manteau lui permettant de prendre toutes les formes, et une tunique le protégeant de toutes les maladies. La cohérence de cet ensemble impose que la Lorok soit comme les deux autres éléments, un objet civilisationnel manufacturé. Alors le Dagda use cet attribut tour à tour comme un outil, comme une baguette magique, nous l'avons dit, mais aussi comme une arme, et c'est ce dernier aspect qui va retenir ici notre attention. La description technique de l'emploi du bâton du Dagda dans les deux récits moyen-irlandais de la première et de la deuxième bataille de la plaine de Tourède en donne l'image d'une arme de poing avec laquelle le dieu frappe sur la tête de ses adversaires par un coup porté de haut en bas, comme le montre l'accumulation d'un tas d'ossements concassés sous le bâton. Cet emploi consistant à marteler des crânes, tête humaine contre tête de la fourche, est conforme au modus operandi de la propriété magique dont nous avons parlé à propos de cet attribut. Or, la Lorok du Dagda, en tant qu'arme de guerre, n'est pas un unicum. C'est un type d'arme répandu dans la littérature médiévale irlandaise qui signale la présence de Lorok ou de Mor-Lorok dans les panoplies militaires des héros ou des dieux et qui qualifie ce bâton d'être un bâton de tempête ou de colère, mais aussi un bâton de bataille. Alors, aucune de ces Lorok n'est bien sûr de la dimension de celle du Dagda, mais toutes répondent à une même description. C'est une arme dont il est rappelé qu'elle est faite en acier et qu'elle dispose d'une tête, et son emploi consiste invariablement à porter des coups au crâne des adversaires. Alors, si on prend en compte ces caractéristiques et le fait que la langue irlandaise moderne accrédite bien le marteau d'être un objet pourvu d'une tête, ce type d'arme répandue semble se rapprocher d'un marteau de combat, d'une masse, parfois appelée dans les textes du nom ord, commun à toutes les langues celtiques, pour désigner le mallet. Lorok et ord
n'étant visiblement que des appellations synonymes d'une même arme. La confirmation de l'identification de la tribu du Dagda à une sorte de marteau est que les termes de forca, la fourche, et de l'orok forca, le bâton fourchu, sont employés comme des appellations génériques du maillet dans les lois irlandaises alto-médiévales, et notamment à propos d'un maillet qui est utilisé pour réaliser une clôture de frontière. La Lorog Gabol est donc à considérer comme une appellation archaïque du maillet, le bâton renvoyant possiblement aux manches, le sens de manche d'outil pour Lorog est attesté dans les anciennes lois, et les deux têtes du bâton du Dagda représentent un barillet de maillet muni de deux zones de frappe opposées. Nous venons d'identifier un ancien dieu irlandais pourvu d'un maillet et d'un chaudron. Deux attributs dont les textes permettent de pointer qu'il partage une symbolique identique en accord avec l'essence de ce dieu. Nous pouvons à présent nous tourner vers les anciennes Gaules, où il a existé un dieu au maillet répondant au théonyme indigène de Soukelos, c'est-à-dire étymologiquement le bon frappeur. Son abondante statuaire gallo-romaine démontre tout à la fois l'extrême popularité, la vitalité et la diffusion pangoloise que son culte connaissait encore sous l'Empire. Son cas témoigne assez bien que le ralliement au projet impérial des élites gauloises, mais aussi que la suppression des institutions religieuses druidiques n'avait pas eu pour effet immédiat de faire disparaître en totalité les anciens cultes pré-romains sous le Haut Empire. On comptabilise quelques 217 représentations, statuettes en bronze et statuaires en pierre le plus souvent, auxquelles se rajoutent une poignée de médaillons de vase en sigillé et de statuettes moulées en terre cuite blanche. Côté inscription, on dénombre 9 dédicaces, 8 pour la Gaule et une pour la Britannia. Alors on associera à cet ensemble deux anthroponymes théophores découverts sur des inscriptions de Norique, celui féminin de Soukela et celui masculin de Soukelius, qui démontre la popularité du dieu également chez les Celtes taurisques. Les trouvailles permettent d'établir une diffusion du culte de Soukelos assez large chez les peuples gaulois, la vallée du Rhône et la Provence, où le matériel est le plus abondant, mais aussi les régions de Bourgogne, de Champagne, de Lorraine, d'Alsace et la Rhénanie, aux découvertes plus clairsemées. Le culte également attesté en Bretagne, chez les Redonès et les Coriosolites, et par ailleurs l'assimilation de Soukelos au dieu romain Sylvanus est avérée non seulement pour la Narbonnaise, mais aussi en Aquitaine, mais également dans d'autres secteurs de la Gaule et pour d'autres zones celtophones des Germanies et de la Pannonie. L'iconographie du dieu, empruntant les canons de la plastique gréco-romaine, livre le portrait d'un dieu d'âge mûr, barbu, majestueux, à l'identité indigène affirmée d'après sa tenue extrêmement connotée ethniquement. Il adopte le plus souvent un accoutrement vestimentaire à la mode gauloise, revêtant une tunique courte à manches longues, toujours serrée à la taille par une ceinture. Il porte également des brais et des bottes, et par-dessus le tout, il enfile un manteau gaulois, le saillon, qui comporte assez fréquemment une capuche. Alors ce dieu, rustique, est figuré porteur de deux attributs. Il arbore de façon constante dans sa main gauche un maillet sur lequel il s'appuie ou qui est posé contre son épaule. Un outil forcément connoté symboliquement dans un registre de savoir-faire et métiers techniques, qui lui vaut d'ailleurs une familiarité et une dévotion particulière de la part des carriers, mais aussi des charpentiers et des tonneliers. Alors, il ne s'agit pas d'un simple maillet, mais c'est l'attribut d'un dieu, un objet qui est un maillet hyperbolique. Il peut prendre la forme d'un maillet de carrier ou de tonnelier, suivant l'identité du dédicant, et son caractère extraordinaire transparaît dans la longueur parfois démesurée de son manche, lui donnant des allures de sceptre, ou parfois dans sa démultiplication, comme sur un exemplaire trouvé à Vienne en Isère ou à la Grange à Démarre dans la Drôme. Alors le maillet figure associé à un pot placé dans sa main droite.
Ce pot de facture autochtone, là encore, que les savants appellent par convention olla, suivant une terminologie latine désignant une marmite, apparaît destiné, de par sa forme ovoïde dotée d'un col large, à la cuisson alimentaire de type bouillie, comme le chaudron du Dagda. Maillet et marmite, il y a bien concordance typologique entre les attributs du Soukélos vénéré dans les Gaules, encore au temps de l'Empire romain, et ceux du Dagda, dont le souvenir subsistait dans l'Irlande médiévale. La mise en situation iconographique des attributs du dieu gaulois rend compte qu'il existait aussi une concordance d'ordre symbolique avec les accessoires du Dagda. En effet, la relation du dieu Soukélos à la sphère d'abondance est bien manifestée sur certaines représentations par son association à une parèdre, porteuse d'une corne d'abondance, voire d'une corbeille de fruits ou d'une bourse, qui sont deux autres éléments participant du symbolisme de la fertilité et dénotant chez elle un pouvoir génésique. Ce raccordement de Soukélos à la sphère d'abondance peut être manifesté aussi par la présence d'une cornucopia posée à proximité du dieu, comme c'est le cas sur un exemplaire découvert à Andéritum, la capitale des Gabales. Et la présence régulière de tonneaux et d'amphores vinaires sur certains groupes statuaires du dieu raccorde cette divinité à la sphère nourricière. La relation des attributs de Soukélos devait participer de cet ensemble symbolique, et leur relation à la sphère de l'abondance est également directement actée. Une cornucopia se substitue à la holà dans la main du dieu, comme par exemple sur la stèle éduenne de Chassé en Côte d'Or, ou alors c'est une corbeille de fruits, comme dans la villa de Kinheim, dans la région de Trèves en Allemagne, ou à la Motte Pasquier en Côte d'Or. Cette permutation de la holà avec la cornucopia ou un autre élément de la sphère de la fertilité manifeste clairement l'identification de ce pot avec une manne intarissable d'opulence nourricière. Observons aussi que le bras droit de Soukélos est baissé et tendu avec la main qui est soit refermée sur l'objet, soit ouverte avec le vase posé sur la pomme dans une gestuelle de donation. La dimension de Soukélos de pourvoyeur alimentaire est donc actée. Celui-ci distribue donc de la nourriture bouillie d'une part, mais aussi du vin, d'après les amphores et les tonneaux qui l'accompagnent souvent, boisson alcoolique la plus dispendieuse en Gaule, que seuls les nantis parmi les Gaulois pouvaient se permettre dans les festins, nous a rapporté Poséidonios d'Apamée. Et donc ce dieu présidait donc aux deux éléments phares des banquets, ce qui en fait le maître complet de cette institution. L'adéquation symbolique du maillet à la sphère de la fécondité est aussi confirmée par plusieurs éléments. Ainsi, sur un groupe statuaire mandubien, découvert à Alise-Sainte-Reine, dans le département de la Côte d'Or, le dieu est montré assis, aux côtés de sa parèdre, muni de son habituelle corne d'abondance, et lui tient dans la main droite la holà, tandis qu'une bourse a été substituée au maillet dans sa main gauche. De même, sur une composition identique à la précédente, ornant une stèle éduenne découverte à Nevirnum, l'antique Nevers en Saône-et-Loire, le dieu porte une holà et tient un pain ou un gâteau en lieu et place de sa masse. Et sur un autre groupe éduen découvert à Jouer en Côte d'Or, une énorme bourse est posée au sol, à la gauche du dieu, et sert d'appui au manche de son maillet. Alors, il se peut encore que le maillet de Soukélos ait partagé avec celui du Dagda une même conception, le résumant sémantiquement à une branche. Cette allégation ne repose pas sur le nom gaulois de la tribu de Soukélos, que nous ignorons, mais résulte du constat que le dieu était assimilé au dieu romain Sylvanus, dont une des épiclèses était celle de Dendrophorus, porteur d'arbres, et que le maillet et la branche de pin apparaissent interchangeables dans la représentation syncrétique gallo-romaine des deux dieux, comme c'est le cas sur un exemplaire découvert à Vittoo, en Côte d'Or, où le dieu est porteur de sa holà caractéristique et de la branche. Autre information à prendre en considération à propos de l'assimilation de Soukélos à Sylvanus, c'est que ce dieu romain, agreste et rustique, considéré comme le gardien de la domus, et le patron des travaux agricoles, pastoraux, mais aussi des activités sylvestres,
était un dieu qui était tenu pour le gardien des limites de l'espace rural, ce qui lui vaut l'appellation de Tutor Finium de la part du poète Horace. Et nous savons que la borne qui marquait la frontière de la propriété agricole, la Lapis Finalis, était identifiée à Sylvanus. Il est donc probable que Sucellos Sylvanus, en plus d'être le détenteur d'un pouvoir génésique, présidait lui aussi, comme le Dagda irlandais, à la délimitation des confins et des zones frontières. Cette concordance typologique et symbolique que nous venons de vérifier des attributs du Sucellos gaulois et du Dagda irlandais oblige à reconnaître l'homologie de la définition fonctionnelle de ces deux divinités, pourtant porteuses de théonymes différents. La validation du recoupement n'est pas de peu d'intérêt, puisqu'elle concède une dimension panceltique au dieu Omaye et à son culte, et démontre la très ancienne codification de ces attributs, bien antérieure à la migration des Gaëls en Irlande, dans un lointain passé commun vieux celtique. Alors, cette visioconférence est à présent terminée. Nous espérons vous avoir convaincu de l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour comprendre certaines réalités religieuses gauloises et plus largement celtiques à recourir au comparatisme interceltique. Ce, évidemment, en ayant une approche critique au cas par cas de la matière des textes mythologiques médiévaux des Celtes insulaires. Alors, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires de la page du Chaudron du Dagda, ou bien à la trollée si vous préférez. Je répondrai aux deux, évidemment. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir.